Salut tout le monde, ici Deadcake. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur Somerset. J'ai été chercher quelques niveaux, donc on va regarder ça ensemble. C'était. Ok, récompense des niveaux. Ok, non, pas ça pendant tout. C'est un personnage. Récompense de niveau. Ok. Oh, choisissez-en une. Oh. Huh. Ok, on va y aller pour légère pour l'instant, c'est ça? Non, moyenne, excusez-moi. Ok. Se mettre un dans vigueur pour pouvoir courir un peu plus. Couture, mèche des armes. Piège d'armes, armure lourde. Ok. Ok, immobiliser nos ennemis. Les autres, c'est quoi? Ok, eux autres ils ont l'air pas pire, je pense qu'on va y aller avec ça. On va l'assigner au cercle. Notre invocation, on va l'assigner lui. À L1. Ok, inventaire. Je pense quand même qu'on va garder nos pantalons qu'on a déjà. Si je fais action, créer un lien.
Si je fais ça. Nope. Bon, je sais pas vraiment ce que ça fait. Il va falloir checker ça plus tard. Ça, on peut l'utiliser. On a une chambre gratuite quelque part. J'ai aussi trouvé comment faire venir ma monture. Donc c'est la monture qui venait avec le pack vu que j'ai précommandé. Sentinelle, je viens payer ma dette pour notre partie de cartes. Hein? Je ne me rappelle pas. Vous dites que j'ai gagné de l'or? Vous ne vous rappelez pas. Je paie toujours mes dettes. Et ma tournée. Oh, ok, ça c'était la distraction qu'il nous offrait. Une tournée? Bon. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? On dirait que la plupart des choses sont vides. What the fuck is that? Si on regarde notre map, qui sommes juste d'enquêter au monastère là-dedans. Mais on peut pas vraiment y parler. Ok. Je prendrai pas le temps de lire tout ça, ça va prendre une éternité et quart. Oh my god, d'autres livres. Ok, les étagères, c'est juste des livres. On peut pas vraiment parler à grand monde, ce que je vois. Toi non plus, tu veux pas me parler. Ok. Pas maintenant, s'il vous plaît. Votre bien-être spirituel attendra à la fin de ma sieste. Il faut Excusez-moi. demander à l'un des moines nommés par le nouvel Aldark.
C'est eux qui s'occupent des évaluations des nouveaux venus. Je ne suis qu'un simple moine qui essaie de dormir. Si vous voyez ce que je veux dire. Encore des questions sur les nouveaux venus. Un haut elfe récemment arrivé ne peut pas comprendre les complexités de l'administration Altmer. Mais je dirais qu'on les a amenés dans la crypte pour les immatriculer et les traiter. Et maintenant, partez. Le monastère devrait être un lieu de paix et de méditation. Mais l'Aldark a fermé nos portes jusqu'à nouvel ordre. Donc, si un moine vous voit, il donnera l'alarme. Moi, je ne vous ai jamais vu. Et maintenant, si ça ne vous fait rien, j'ai une sieste qui m'attend. Ok. Ok, on dirait qu'on a une autre flèche ici. Au-dessus des lits. Ouais, ça se fouille. Lui, il y a des trucs. C'est un chouette. Petit porc que t'as, toi. Ok. C'est un bijou inhabituel pour le bureau d'un Aldark, non? On va y parler dans 2 secondes. Ces coffres-là. Je penserais pas. Ça, c'est vide. Ok. Bon. Je vous ai aperçu en train de traîner par là alors que j'étais moi-même occupée à me faufiler ici. J'imagine que nous sommes tous les deux venus au monastère pour la même raison. Les nouveaux venus séquestrés. J'ai découvert ce qui était arrivé à un ami. J'imagine que c'est aussi ce qui vous amène. Un établissement religieux ne devrait pas servir de camp d'internement. Et il ne devrait pas être fermé au public non plus. Intéressant. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est intriguant et un peu dérangeant. Mais nous ne venons pas discuter bijoux. Même ceux qui attirent d'étranges créatures. Nous venons enquêter sur les disparitions. La sentinelle ne vous a pas arrêté. Alors je pourrais vous poser la même question. Disons que nous avons tous les deux nos méthodes. Étrange, mais j'ai l'impression que la situation à Étincelance dépasse la politique et les relations communautaires habituelles. C'est bien la question, mon prudent ami. Nous avons un nouvel Aldark et une matriarche déçue. Tous deux opposés au décret de la reine. Quel est leur lien avec les nouveaux venus disparus? J'allais explorer les catacombes. Vous voulez venir? Ouais. Quelle étrange perle. Où l'Aldark l'a-t-il trouvée?
Peu importe, okay. J'imagine. Je vous retrouverai dans la crypte. Nous verrons ce que font les nouveaux venus. Je dirais pas qu'il y a rien à fouiller ici. La note, non. Il y a un coffre à bijoux dans le fond. Vous devriez déjà être en train de sortir. Okay, beaucoup de bouffe. Ah ok, si on check notre inventaire vite fait. Ok, matériaux, on s'en fout. Ah ok, la crypte. Il y a un problème. Je sens de la magie mauvaise. Dégage. Ces gens n'ont rien fait pour mériter un tel traitement. Il y a une survivante là. Essayez de l'aider. Les divins soient loués. Vous n'êtes pas un des moines. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. C'est un cauchemar. Nous sommes venus au couchant en quête d'un nouveau départ. À peine débarqués, on nous emmenait déjà au monastère. Au lieu d'un interrogatoire ou de l'administration aux elfes classiques, nous avons été mis en cellule. Les moines les ont emmenés il y a quelques instants. Ils sont partis de l'autre côté de cette pièce. Laissez-moi sortir avant qu'ils ne m'emportent comme les autres. Ok, y ouvre. Oh non, c'était un autre joueur. Merci de m'avoir libéré. Beaucoup de choses à fouiller dans le coin. Lui, on dirait qu'il n'a pas survécu.
lui on le libère pas, non. Reste probable quelques trucs à fouiller, mais là on perdra pas tout notre temps ici. Par des draps ici. Et c'est en ce cas à Fine, si je me souviens bien de ce que j'ai lu sur eux. Très étrange. Excellente question, à laquelle j'espère répondre. D'après les preuves dont nous disposons, ce Nordique semble avoir tué le Ska à Fine avant de succomber à ses blessures. Tant mieux pour lui. J'ai trouvé cette clé à la ceinture de la créature. Nous pouvons donc, dans ce cas, je suggère que nous pressions le pas. Nous devons déterminer ce qui se passe, et qui en est responsable. Sans ces réponses, nous ne pourrons pas élaborer de plan. Je vous expliquerai tout plus tard. Pour le moment, il faut se dépêcher. Oh, un autre boule bizarre. Des adeptes d'Edric? Encore des étrangers? Malheureusement, la magie n'affecte que ceux qui ont été préparés. Mais la perle est en train de vider ces gens. Votre tour viendra. Qu'est-ce qui se passe? Je m'occupe de la perle. Repoussez ces créatures. La magie de la perle attire ces créatures. Repoussez-les pendant que je termine mon sort. Wow, c'est quoi ça? Venez, discutons dehors. Ok. On va juste prendre un petit 2 secondes pour faire le tour. Pas l'air d'avoir grand chose à fouiller pareil. Ok, on dirait que c'était pas mal tout. Ces pauvres gens. Ce n'était pas juste une histoire entre nouveaux venus et opposants au décret de la reine. Il s'agissait de magie d'Edric. J'aurais préféré arriver quelques instants plus tôt.
Je vous ai promis de vous expliquer ce que je sais. J'imagine que le moment est venu. Je suis membre de l'Ordre Psychique. Notre maître des rites m'a envoyé enquêter sur une mise en garde concernant un complot contre le couchant. L'enquête m'a mené ici. Oh. Oriandra est bien membre de notre antique société monacale. Nous étions autrefois les conseillers des dirigeants de Tamriel, mais nous avons un jour éloigné notre île de ce monde. La menace nous y ramène. Mais pourquoi y êtes-vous mêlés ? Un œil de la reine. Intéressant. J'ai diffusé sa magie d'Edric et transporté la perle vers Arteum, l'île psychique, pour la conserver et l'étudier. Et nous pourrons continuer d'en parler quand nous serons loin d'ici. Ok. Il y en a partout. Ok, ça va probablement libérer un peu de notre inventaire. Bon, ça leur a pas fait long feu.
Bon, ok, on va juste se dépêcher de sortir, puis... En fait... Bon, j'ai libéré un peu d'espace. On peut ramasser la ceinture. Wow. On est rendu une troupe ici. Ok, on dirait que la sortie est ici. Pour aller vendre notre stock. Parce que là, on commence à en entraîner pas mal. C'est encore un loading qui finit plus de finir. Ok. Pendant quelques siècles sur Arteum ne vous prépare pas à l'activité physique. Informez l'œil de la reine de vos découvertes et je vous retrouverai tout à l'heure. Étincelance a toujours eu plus que sa part de nouveaux venus, vu que c'est un port. Mais depuis l'ouverture des frontières, cette population connaît une croissance folle. Ok. C'est
bien que tu m'en informes. Si vous en avez l'occasion, essayez d'aller voir une représentation à la Maison des Rêveries. Leurs masques sont un peu inquiétants, mais ils ont vraiment le sens du spectacle. Dites, ça vous intéresserait un sac pour transporter vos affaires ? Ok, je pense qu'on va définitivement économiser pour un sac. Nous autres, on s'en va où, là? Ok. Vu que c'est la nuit, je pense que tout est fermé. Je vois pas non plus d'objectif nulle part. Puis c'est quasiment la fin de l'épisode, donc... Hop. La prochaine fois que je suis sur le terrain, je prends un gros marteau de guerre, ou deux. Ok. Faisons ça. Dans notre hall. Connaissez-vous la guilde? La guilde des guerriers. Vous devriez nous rejoindre. Nous avons un nouveau maître de guilde, et un nouvel objectif. Pourquoi n'en discuterions-nous pas? Excellent. Je sais que nous nous battrons bientôt côte à côte. Bien, que voulez-vous savoir? Tout à fait. Notre maîtresse de guilde est argonienne, œil perçant. Elle nous envoie tous chasser les dédras et leurs ancres maudites. Vous en avez peut-être vu, d'énormes chaînes, des hordes de dédras qui déferlent et ravagent la campagne. Cela fait d'âpres combats. Ah, bonne question. Nous entraînons nos membres, nous leur apprenons des techniques singulières, et les cadres sont toujours à la recherche de membres motivés pour les aider dans leurs projets spécifiques. Et si ça se trouve, vous serez le prochain Jofnir. Alors permettez-moi d'être le premier à vous accueillir officiellement, associé de la guilde des guerriers. Allez sur le terrain et brandissez le fer contre le Dédra. Ok. Ah, voilà mon frère d'armes. Wow. C'est poche qui donne pas une scène pour la plupart des trucs que tu trouves. Ok. C'est une fascinante application de la technique. Bienvenue. Êtes-vous venu pour la guilde des mages? Oui. Oui, bien sûr. Nous protégeons le savoir partout en Tamriel. Des membres de la guilde recherchent des livres, des volumes et d'anciens parchemins tandis qu'ils voyagent. Pourquoi ne pas discuter ensemble un instant? C'est toujours un plaisir de parler avec un autre cherche-savoir. Le maître de guilde Vanus sera ravi. Nous sommes des chasseurs de livres, en quelque sorte. Nous cherchons de nouvelles informations, la capturons dans nos bibliothèques et produisons des copies pour les distribuer dans tout Tamriel. La guilde se moque des champs de bataille ou des frontières. Elle ne s'occupe que de la connaissance
et de l'acquisition de nouveaux tomes. Nous proposons une formation en sorts et techniques uniques propres à la guilde. Et de temps en temps, nous proposons des projets à ceux qui possèdent l'esprit d'aventure. Vous pourriez finir par travailler avec le maître de guilde en personne. Excellent. Ok. Ça fait plaisir de vous revoir, adepte. Votre présence dans la guilde la rend plus forte. Ah ok, lui il a pas de magasin. Donc c'est pas mal tout le temps qu'on a pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis, ben franchement, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Sur la map, je vois pas vraiment où ce qu'il faut aller ou quoi que ce soit. Donc, ça boussole en haut, il y a un objectif là-bas. Fait que j'imagine qu'on va aller voir ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous vois rendu là. Ciao!